Lundi 16 août 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine là, mais quelques principales informations qui pral fait essentiel journal. Environ 1297 moun mouri, 5700 lot blessé ak 13000 kay krasé dans cas tremblement de terre 14 août passé a qui t'a touché plusieurs départements dans grand sud pays d'Haïti, selon un bilan partiel protection civile hier dimanche là. Coordonnateur collectif 4 décembre Jean-Robert Argan exprimé satisfaction pour rencontre collectif 4 décembre t'a participé à commission cap chercher une solution haïtienne à crise là, selon Jean-Robert Argan, divers points tant qu'au fait des routes pouvoir qui t'a dû diriger transition qui t'a dû mener bac pays a ak choix modèle exécutif là t'est abordé dans cadre rencontre ça. Environ 100 mm la pluie prévoit pour tomber dans différents départements pays d'Haïti tant qu'au sud, l'ouest ak sud-est dans cadre passage tempête Grois qu'a traversé Haïti depuis journée lundi 16 août 2021 selon unité hydrométéorologique d'Haïti. Suite à tremblement de terre qui était passé dans le département sud grand dans Snip ak nord-ouest 14 août passé, le bilan a commencé à augmenter. Selon la Direction générale protection civile, environ 1297 moun mouri, soit 1054 dans sud, 122 dans Nip, 119 dans grand dans nord-ouest, plus passé 5700 lot blessés ak 13000 ka écrasé. Une situation qui t'a lagué plusieurs milliers de citoyens n'a dormi à la belle étoile dans le département sa yo, côté toute section communale ak localité yo a détruit pendant qu'il y a un alert jaune sur toute Haïti pour un mauvais temps qui relève Goïs. Responsable relations publiques Vive Haïti à Leslie Faro rend mauvaise gouvernance la responsable vulnérabilité pays à face à catastrophe naturelle yo côté aucune politique publique pas appliquée pour éviter petit pays à continuer mourir par pile ak paquet tant qu'on a tremblement de terre 2010 passé à dans occasion Leslie Faro lance un appel pour tout le monde ou bien autorité capote si pour yo ak victime tremblement de terre pour faire ça dans dignité pendant li lance un alerte pour être vigilant face à ONG yo li di kapare pour faire gagote ak don ki destiné ak victime tremblement de terre 14 août passé a. Leslie Faro c'est responsable relations publiques Vive Haïti a qui te nan micro Jean-Robert Saint-Fort ak Mackenson registre. Est-ce que c'est pays a même qui fragilisé? Nous ka di oui. Après spécialiste yo fin décrit pour nous qui ça qui cause ça. Mais nous pas qu'à écarter mauvaise gouvernance que ensemble de pouvoir sans coutia depuis après 12 janvier 2010 qui était en tête pays qui pas jamais un plan de redressement pour une réponse à genre de catastrophe ça yo qui vient joindre pays. Et nous menacer plus encore parce qu'il y a d'autres catastrophes qui ont déjà annoncé. Je ne veux pas dire, quand on parle avec nous, nous tous ensemble là, nous commençons à vivre une annonce, un cyclone
y a un gros vent qui a soufflé là, et si la pluie commence à fariner, nous voyons qu'on est qui s'est caché derrière tête nous là. Question à continuer à poser. Qui ça, autorité ça, qui c'est continuité PHTK sans coutière, qui plan yo gagner pour pallier à problème ça? Nous songe que le président qui s'est mouru, il était claironné que l'investi un paquet d'argent pour acheter un ensemble de gros matériel. Mais je dis, pendant la catastrophe là, nous tendons grand pile monde qui a plein, manqué matériel pour porter support à problème ça qui là. Je ne jodi à là. Nous connaissons un pile ONG qui est paré pour vous mettre griffes sous terre. Mais nous pas qu'à oublier. Nous-mêmes, comme avant-gardistes qui là, pour nous accompagner la population, pour nous rappeler l'ensemble de bagages qui étaient faites déjà. Population, je parle avec aujourd'hui. Vous songez bien, après 12 janvier 2010, t'es déjà un militaire étranger sous terrain. C'est yo qui t'es fait ça, yo connaît des ordres yo t'es fait qui vient ban nous choléra. Nous connaît qui ça ça t'es fait en dedans société là, en dedans population. Je dis à quelqu'un nous pas un militaire à vivre dans sous terrain parce que l'étranger a réfléchi pour peuple haïtien, il pas jamais venir avec même bagarre là. Si n'a tenu compte de ensemble de coups d'état que toujours fomenté en dedans pays là, il y a toujours une autre forme. Je dis à pas un militaire. Mais quand on l'autre bagarre qui a préparé pour nous. C'est ça qui fait que nous même là vivons Haïti. Nous voulons alerter face à ça qui est capable de pendier sous tête. Je dis, n'a rappelé nous tout de la Croix-Rouge américaine qui te gagne pour te intervenu sous ensemble de cailles que le loué reconstruit. C'est avec étonnement que nous te joignons un rapport Croix-Rouge américaine qui te seulement couvri 3 petits cailles. Et puis le rapport là, il dit il couvri 132 cailles. Quelle aberration! Je dis à nous-mêmes, nous réclamer tout le monde qui est pour intervenir en dedans crise ça gain là premier ça n'a demandé et particulièrement autorité pour respecter dignité population et n'a garder à la loupe droit dans yeux parce que je dis à tout le monde d'aller mettre griffe sur pouvoir pays yo dit au cas gouverner et n'a garder un petit coq chanter tout cocoy qui voulait diriger le pays à Poukol. Donc, nous mettons un garde fou pour nous dire attention, nous gardons. Prenez-vous, population, pas un petit mis sans garde. Gagot qui te fait déjà, c'est ils ne sont pas qu'à faire oublier. Coordonnateur général émergence patriotique là René Civil voyait sympathie by toute victime département sud grandance ACNIP qui frappé sévèrement par un tremblement de terre samedi 14 août passé là. René Civil qui dénonçait légèreté, il dit l'état affiché l'elle pas prend responsabilité après tremblement de terre 12 janvier 2010 là pour te préparer pays à face à un autre frappe comme ça fait qu'on est en situation qui montrait à clair pays à pas diriger. Dans sens ça René Civil lancé un appel pour vivre ensemble réorganiser pays d'Haïti. René Civil c'est coordonnateur général émergence patriotique là qui était dans micro collaborateur nous Jean Sony Lemay. Ça qui passé dans sud pays aujourd'hui c'était prévisible parce que avant 12 janvier 2010 nous était connu une série de cyclones qui était très dangereux qui était frappé côté sud là c'est tout. Mais après ça cyclone tremblement de janvier, il était montré clair comment Grand Sud la vulnérable. Pour me pas dire comment Haïti vulnérable. Qui donc, expérience 2010 là, te doit permettre l'État haïtien dans ses composantes, par exemple sur le plan technique,
sur le plan sanitaire, sur le plan social, t'es déjà arrangé pour une catastrophe comme ça encore arriver, pour qu'il y ait des dispositions qui prennent. Maintenant, après janvier 2010, c'est que moun yo construit plus mal, kay ki te sekwe yo pas réhabilité ou bien, qui donc l'État pa mette des réseaux dans zone nord sud, soit pour le capable emmagasiner manger de l'eau, produits sanitaires, puis être capable mettre temps disponible et moyens disponibles. Qui donc Jean yo agi, Jean ba arrivé là, lui montrer non inexistence l'État. Et depuis 14 août qui sont date historique que l'État lui-même était méprisé. Et mais 14 août là jusqu'à aujourd'hui, moi qui je dis à Mkweli 18 août, qui donc, jusqu'à maintenant, 16 août, jusqu'à maintenant, l'État, pour qu'on fasse qu'une grande intervention dans les sites. C'est Saint-Domingue oui, qui vient avec manger. C'est Chili, c'est les États-Unis. Et où qu'on ça fait moins honte, et l'équipe émergence qui souterrait en 10 000 honte, c'est le fait que les Dominicains sont arrivés avant l'État haïtien, mais ils ont déclaré. Les arrivés dans le sud, pas de magistrats, pas de délégués départementaux, pas de représentation de l'État haïtien, moun yo abandonné à eux-mêmes. Qui donc, moun yo tap livré à eux-mêmes. Pas tap gen aucun secours. Qui donc, devant circonstances pareilles, moun wè ke son amertume que nous-mêmes n'a plus. Coordonnateur national collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, qualifié comme catastrophe à son gouvernement Ariel Henry a abjéré tremblement de terre qui ravageait différents départements dans le grand sud pays d'Haïti, samedi 14 août passé. Côté selon lui-même, ses populations qui ont porté secours à victimes. Jean-Robert Argan qui lançait appel pour aider à les jeunes vraies victimes, espérer autorité en place pour abjérer catastrophe ça, même Jean avec tremblement de terre 2010 là. Jean-Robert Argan, c'est coordonnateur national collectif 4 décembre, qui est dans le micro, Garlens lui avec Jean-Sony Lemay. Comment voulez-vous que vous avez un département où vous n'avez pas vraiment un bagage de secouristes ou de pompiers ou de police ou de l'armée? Bref, une structure qui est capable de faire face à aux problèmes naturels. D'autant plus que nous passons 2010. 2010, c'est hier. Pour que quand il y a tout le monde qui mourit dans un tremblement de terre, il y a d'autres pays qui ont eu des tremblements de terre avec 7.2, 7.3 ou plus même. Il y a peut-être une ou deux morts. Comment ça se fait que le building qui a tombé, qui a crasé, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'État encore était absent. Parce que le bagage a construit, il y avait des précautions à prendre. Un bagage, je pour faire là, il y a des normes pour être respectées côté l'État. Parce que les gars sont gros potentables, mais ça a été construit depuis tout le temps. Ils ont crasé l'absence de l'État. Maintenant, qui est-ce qui est le premier monde qui joue, le monde qui est victime? Heureusement encore, c'est le naturel qu'on a eu. Comme on avait eu en 2010 aussi, les premiers éléments, c'était la population lui-même qui allait essayer d'être capable. Après ça, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est l'hélicoptère dominicain qui est là. Côté Pau, côté Mounio, côté Moun l'État. Qui est-ce qu'il a? Qui est sous place? Qui vient pour aider Mounio? Non. Encore, il y a la guerre pour contre. Organisation sociopolitique Vive Haïti levé voile journée lundi 16 août 2021 pour dénoncer gouvernement Ariel Henry. Il dit qu'il pas fait rien plus passer un jour après tremblement de terre ravager divers départements dans grand sud pays d'Haïti côté plus passer 700 moun mouri ak plus passer 2000 lot blessés. Nan sans sa porte-parole Vive Haïti a Ronny Timothée annoncé Vive Haïti pral pote sipol ak victime nan grand sud yo. Ronny Timothée qui mettait en doute capacité gouvernement en place là pour
pour faire face à dégâts tremblementaires à provoquer, renouveler attachement à choix sénateur Joseph Lambert comme président provisoire transition qui t'a dû mener back pays d'Haïti. Porte-parole Vive Haïti à Roni Timothée, tenant micro Jean-Roberto Saint-Fort et Mackinson registre. Pour nous faire solidarité avec moun nan Grand Sud qui victime 14 d'Aoua dont tremblement de terre qui ravage presque toute côte sud là. Dans ce sens, nous déjà oué en pile moun victime, en pile moun perdit vie, en pile moun perdit bien, perdit machine, perdit caille et la trier, mais jusqu'à présent, 24 heures de temps après, nous pouvons oué en rien qui fait. Le gouvernement rete la parler français, la bay dialogue, alors que jusqu'à présent, tout le monde en bas des comptes. Pour ONG, nous connaissons en 2010, il y a un tremblement de terre qui est passé, qui était presque crasé le pays. Mais en pile, l'organisation ça fait richesse sous le peuple haïtien. Et fois ça, nous souhaitons, nous espérer, même bagaille là, il ne va pas le reproduire encore. Pour nous dire, tout bandit qui est dans Matissan, qui est dans Grand Ravine et qui est dans Tibois, c'est le moment pour tout le monde déposer les armes pour la paix faite et pour tout le monde qui peut porter aide humanitaire par les gens qui sont victimes pendant le passage du tremblement de terre, ça, eh bien, pour rejoindre une voie libre et libre. Le tremblement de terre, ça, il n'y a pas de homme politique, il n'y a pas de monde dans la société civile, il n'y a pas de policier, il n'y a pas de bandit, il n'y a pas de personne. Des fois, ça, on voit un pays à victime. Malheureusement, nous, en pile bagaille moun t'attend de nouveau pouvoir ça pas grand rien qui fait yo beaucoup gens capable dire eh bien qui ça yo mettez disponible pour déblayer eh bien Grand Sud là yo beaucoup en mesure pour dire qui support yo pral porter bay moun qui victime yo mais yo beaucoup en mesure tout même aide yo di a bay on veut parler de monnaie internationale pour dire eh bien mais qui gens yo pral canaliser dans sens ça Vive Haïti prend responsabilité côté nous déjà entendre nous avec équipe nous qui déjà préparé un pile bagaille pour nous, nous-mêmes tout n'a débarqué dans le Grand Sud là, sans nous parler faire politique, mais pour nous porter support nous, by frère nous, compatriotes nous, qui victimes dans le Grand Sud pays. Ça veut dire, nous ne pouvons pas passer par ni l'État, ni ONG, nous-mêmes nous sommes hommes de terrain, nous avons débarqué dans le Grand Sud pays, sans nous faire pour nous faire, pour nous faire. Il est ça, si nous sommes capables de contacter la population civile là, c'est capable d'Azek, Kazek, délégué de ville, mon qui plus proche population nous capable al parler avec eux et partager et bien ça ne côté a eux même pour y al partager by moun qui victime yo et jodi an tout moun wè effectivement gouvernement li fléchi ça veut dire li pa ka pote une réponse par rapport à ça qui passé dans Grand Sud pays a et jodi an Vive Haïti vin di et bien Haïti sous tremblement de terre li sous cyclone nous wè covid 19 nous wè grand goût nous wè insécurité nous wè kidnapping nous wè mauvaise gouvernance. Mais maintenant, nous venons demander qui mal nous fait dans le pays. Et je dis, tout le monde rappelle 14 août 1791, les ancêtres nous ont campé dans le bois Caïman pour faire cérémonie pour nous libérer. Mais malheureusement, 14 août, ça, c'est un tremblement de tel côté. Et jusqu'à présent, nous pouvons en mesure bien, pour nous avoir une réponse par rapport à ce qui est là. En plus, le monde pensait, et sans et international, nous sommes capables d'avancer. Mais non, nous ne sommes pas capables d'avancer pour nous. Parce que nous remercions tout le monde qui peut aider, que soit la République Dominicaine, que soit les États-Unis, que soit l'autre nation qui dit apporter support. Mais ce qui est important, tout ça arrive, c'est par rapport à ce qui est passé en 2010. Nous ne pouvons pas l'État qui est campé pour te bailler. Une réponse. Au contraire, tout le monde qui prend l'argent maintenant pour chaud, et puis il a dit après reconstruire le pays. Presque 1 milliard de dollars passés. Pas grand rien qui fait dans la question de reconstruction du pays. Même Jovenel qui paraît là avant hier, il dit Haïti paraît pour recevoir n'importe quel séisme. Voilà qu'on dit tremblement de terre. 7.2 passé là, eh bien, là, le Grand Sud pays a presque disparu. Ariel n'a pas arrêté de diriger le pays a pour contre lui. On dit hier soir, ou bien 4, on dit 13 d'août, si c'était dans le sud, il était en rencontre ça, il a dit que tu as fait là, et puis tremblement de terre passé, quand il est tombé sur monsieur, monsieur est mort. Quand on a destiné le pays, mais qui est-ce qui t'a pillé? Ça veut dire que nous n'avons pas quitté un seul grain de monde à diriger le pays. Et peut-être ça, Vive Haïti prend responsabilité. Dans tout chita parler, nous te gagné avec différents mouns. Eh bien, qui postule pour poste président? Eh bien, nous gardons nous. Eh bien, yon nan moun sa yo,
qui capable plus montrer nous lui paraît eh bien pour capable eh bien prendre destin pays ça lui paraît c'est Joseph Lambert. Et Joseph Lambert, il un monde que tout le monde connaît qui était passé comme Azek qui vivait président Sénat et je dis c'est pas nous mêmes au niveau de politique choisi monsieur comme président mais c'est plutôt parlement tire Sénat là dedans qui font résolution qui dit c'est monsieur. Et je dis moi quoi que on chita parler on dialogue eh bien pour nous retirer pays dans sa lia là là tout à fait eh bien évident parce que Joseph Lambert est capable de parler avec tout le monde. Il est capable de parler avec APHTK, il est capable de parler avec nous-mêmes qui sommes en opposition, il est capable de parler avec la société civile, il est capable de parler avec tout le monde. Donc dans le contexte ça, eh bien, nous pensons que pour le pays, pour arriver plus loin que côté l'IA, il y a un dialogue. Pour nous tous ensemble, Joseph Lambert, capable président pays, à côté de Ariel, qui va régler rien là, nous-mêmes vivons Haïti, nous baillons nous déjà. L'autre information dans le journal, le coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, exprime satisfaction pour un compte collectif 4 décembre réalisé à la commission qui a cherché une solution haïtienne dans la crise le week-end passé. Selon Jean-Robert Argan, dans le cadre de rencontre, ça plusieurs sujets, tant qu'on fait des routes pour voir transition qui a dû diriger le pays, avec choix modèle exécutif là est abordé. Jean-Robert Argan qui fait connaître le collectif 4 décembre a papillé démarche commission qui a cherché une solution haïtienne à la crise là. Déclaré haïtien ou de saisir opportunité qui offre à Kyo pour relancer une fois pour tout pays d'Haïti. Coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, tenant micro, Galen Slu et Jean-Sony Lemay. Yo même au niveau de commission, peut-être d'autres critères, mais comme il y a travail aussi pour l'établissement de ces critères qui sont importants, nous appuyer toutes les démarches qui allaient vers les bah, critères. Ça, l'offre qu'on y a moun en place, gomba qui vient automatiquement logique. Vient en place, le gros travail pour faire, c'est des moun qui répondent à certaines valeurs morales notamment que nous nous gien et le sens ça y appelle tout et nous rencontrer dans le même sens là, c'est un conseil de surveillance. Au conseil de surveillance mission ne serait rien d'autre que de s'assurer que mon capacité de gouvernance là était dans le cadre de mission Balia. Donc un contrôle de surveillance pour ne pas avoir aucune force côté tête et que vraiment il est capable de se fixer sur eux. Rien d'autre que mission ça, c'est contrôle de surveillance. Ça. Et quatrième point, côté nous rencontrer tout. C'est que pour nous, et on le dit depuis je ne sais plus combien de temps encore, une gouvernance bicéphale. C'est-à-dire qu'il faut avoir un président avec un premier ministre qui vous dirige le pays. Éclair info a continuer pour nous dire tempête grosse avancée journée lundi 16 août 2021 dans zone péninsule sud pays d'Haïti selon unité hydrométéorologique d'Haïti qui annonçait en pile la pluie avec vent capable possible pour frapper département sud sud-est l'ouest et nord-ouest pays a côté environ 100 mm la pluie prévoit pour tomber une annonce qui t'a poussé autorité haïtienne décréter vigilance jaune pour faire face à dépression naturelle ça alors que département sud grand snip et nord-ouest a coubé en baillon tremblement à qui en puissance 7.2 14 août 2021 passé. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la première édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui tapent dominé l'actualité. Environ 1297 personnes mourues, 5700 autres blessés et 13000 cas écrasés dans le cas de tremblement de terre 14 août passé qui a touché plusieurs départements dans le grand sud pays d'Haïti selon un bilan partiel protection civile hier dimanche là. Coordonnateur collectif 4 décembre, Jean-Robert Argan, exprime satisfaction pour un compte collectif 4 décembre de participer à la commission qui cherche une solution haïtienne à la crise. Là. Selon Jean-Robert Argan, divers points tant qu'on fait des routes pour voir qui t'a dû venir diriger transition, qui t'a dû mener back pays à, avec choix modèle exécutif là, t'es abordé dans le cadre rencontre ça. Environ 100 mm la pluie prévoit pour tomber dans différents départements pays d'Haïti, tant qu'au sud, l'ouest et sud-est, dans le cadre passage tempête Grace, qui a traversé Haïti depuis journée lundi 16 août 2021, selon unité hydrométéorologique d'Haïti. Ces points ça, yo, avec divers lots qui t'es fait essentiel journal
nous. Merci pour patience et fidélité ou t'es accordé avec journal là. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde.